Les panneaux solaires produisent de l'électricité à partir de la lumière du soleil. Un phénomène appelé effet photovoltaïque, découvert en 1839 par le physicien français Antoine Becquerel. Les panneaux solaires comprennent plusieurs composants électroniques à base de silicium, matériaux semi-conducteurs issus du sable. Quand les photons, composants de la lumière, heurtent les panneaux, les électrons de silicium se mettent en mouvement et créent un courant électrique continu. Ce courant va être recueilli par des fils métalliques appelés strings qui vont le transporter à travers des semi-conducteurs branchés en série. Ensuite, un onduleur convertit ce courant en courant alternatif. L'électricité produite peut alors être stockée dans des batteries d'accumulateurs. Elle peut être consommée sur place ou bien vendue à un fournisseur d'électricité. Énergie inépuisable et propre, l'énergie solaire peut être générée même sous les nuages, car ce n'est pas la chaleur qui compte, mais le rayonnement solaire. On calcule la puissance d'un panneau solaire en kilowatts crête, c'est la puissance maximale de production électrique qu'un panneau peut délivrer dans des conditions optimales. Le rendement d'un panneau solaire est fonction de l'ensoleillement, de la latitude, de son orientation et de sa surface. Près de 2% de l'électricité mondiale est produite grâce à des panneaux solaires.